On se tient debout, chers. On se tient debout, s'il vous plaît. Et nous recevons mademoiselle Afoué Pierrette. Toujours debout, chers invités, et nous recevons sous vos ovations Madame le maire, officiant de la cérémonie, qu'on applaudit pour Madame le maire qui fait son entrée. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Georges Sylvestre, nous vous remercions pour le choix de notre commune, la célébration de votre mariage. Chers invités, chers parents, nous allons procéder au mariage de Monsieur Kouadio Barnabas Kanga avec Mademoiselle Afoué Pierrette Hachi. Conformément à l'article 59 de la loi sur le mariage qui stipule que le mariage créé entre les époux soit le régime de la communauté des biens, soit celui de la séparation des biens, si les époux n'ont pas réglé les effets pécuniaires de leur mariage par convention. Sur notre interpellation, lors des formalités préliminaires avec les futurs époux, M. Kouadio Barnabas Kanga et Mademoiselle Afoué Pierrette Hachi ont déclaré opter pour le régime de la communauté de biens. Nous leur en avons donné acte. Nous applaudissons le choix du régime. Et à présent, Madame le maire nous donne lecture d'un extrait du Code civil ivoirien relatif au mariage. Du Code civil ivoirien relatif au mariage. Conformément à la loi 2019-570 du 26 juin 2019, relative au mariage, je vais vous donner lecture des articles 45, 51, 52, 56, extrait du Code civil ivoirien, relatif aux droits et devoirs respectifs des époux. Article 45. Les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 51. La famille est dirigée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 52. Les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration ou par son activité au foyer. Si l'un des époux ne s'acquitte pas de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration, l'autre époux peut obtenir par ordonnance
du président du tribunal du lieu de résidence l'autorisation de procéder à la saisie des salaires ou rémunérations et de percevoir, dans la proportion des besoins du ménage, une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Article 56. Le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le tribunal en tenant compte de l'intérêt de la famille. Nous invitons le couple à se tenir debout.